petite reine de Solaria. On dirait que quelqu'un d'autre veut ta couronne. Le taureau surdimensionné. Tu as mal choisi la reine à énerver. C'est tout ce que tu as dans le ventre? Tu es sérieuse? Oh non, tu n'as encore rien vu. Inutile de te cacher. Je vais te trouver! N'oublie pas, petite reine, si tu restes ici trop longtemps, tu seras bloquée dans le monde du légendarium pour toujours! Attrape-moi si tu peux! Ça y est, je te tiens! Oh. Tu as perdu ta langue? Tu ne pourras jamais sortir de ce labyrinthe. Adieu, petite fée. Je ne retrouverai jamais mon chemin. Si au moins les Winx étaient avec moi. Mais j'ai été tellement cruelle avec elles. Mais où avais-je la tête? Oh, cher enfant, je savais que tu retrouverais tes esprits. Te voilà, bonne fée. Même quand le fil est tout emmêlé, on peut toujours réussir à défaire le nœud. Comment ça? C'est une métaphore. Prends donc cette pelote de laine avec toi. Entendu. Et maintenant? Il te suffit de suivre la ficelle. Merci, bonne fée. Oh, tu peux y arriver. J'ai compris. Il faut défaire le nœud. J'y suis! Vous avez peut-être été invité, mais vous avez abusé de leur hospitalité. Mais nous, on s'amuse tellement! Ah! Oh! Oh! Élevez-vous, petite fée! Ah! Je pourrais faire ça pendant 2 heures! Tenez-vous prêtes, les Winx! Ça suffit! Solaria devrait peut-être remettre en question sa traditionnelle reine du jour. Si au moins ses gardes pouvaient nous aider. Méga vilain Morphix! Il est encore temps d'abandonner, sorcière! Vous n'avez aucune chance contre nous! Nous n'avons pas dit notre dernier mot! Mais qu'est-ce que c'est que ça?
Un sort de disparition, je dirais. Elles sont parties. Tenez bon, vos majestés! Bravo, vous avez réussi, les Winx. Merci beaucoup. Et maintenant, essayons de trouver la reine Stella. Ça va aller, Brandon? Je peux aider! Non, peut-être pas, en fait. Oh, regardez! Là-bas! Brandon! Oh, Brandon! Je suis tellement désolée pour tout ce qui s'est passé. Oui, eh bien, moi aussi, Stella. Tu as vraiment trop dépassé les bornes aujourd'hui. Mais ce n'était pas moi. C'est à cause du miroir. Si, c'était toi, Stella. Et pour être franc, je ne suis pas sûre d'aimer la personne que tu es devenue. Brandon, je suis tellement... Et ce n'est pas avec un caprice de reine que tu pourras me faire oublier ça. Mais... Brandon! Je ne veux même pas devenir reine. Je pense qu'elle est là. Attendez, je vérifie. Oh, Brandon, qu'est-ce qu'il y a? Vous devriez le demander à son Altesse Royale. Il est tellement fâché. Il va lui falloir un peu de temps. J'imagine que mes parents m'en veulent beaucoup, eux aussi. Ils sont un peu fâchés, oui. Et ils comprendront. Il y a des traces évidentes de sorcellerie ici. Être reine est bien plus compliqué que je ne pensais. Je crois vraiment qu'un des secrets est de traiter tout le monde comme son égal, tu sais. Je dois absolument trouver le moyen de me faire pardonner. Surtout de Brandon. J'ai été si méchante avec lui. Oh, ne t'inquiète pas, Stella. On va t'aider, d'accord? Nous allons t'aider, nous aussi! Merci, mes amis. Vous comptez tellement pour moi. Oh, tout comme Brandon. On va t'aider à arranger ça aussi! Oui, on a juste besoin de quelques petits préparatifs. Une délicate odeur de printemps. Un éclairage romantique. Et des excuses venues droit du cœur. Faisons ça correctement et organisons une belle fête. Pas seulement pour Brandon, mais aussi pour tout Solaria. Alors je vais m'occuper du buffet. Et tout sera parfait, Stella. Quand on est ensemble, c'est magique, ma vie recommence. Tout est génial, magnifique, fêtons cette chance. Si tu es déprimé, souris, c'est plus beau. Laisse la musique t'emporter dans son tempo. Juste le temps, il nous manque juste le temps d'être nous-mêmes. De nous retrouver tout simplement, de ressentir cette joie. Aujourd'hui, il n'y a que toi et moi. Et n'oublie pas. Aïe, 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 oh la la, oh. Aïe, 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 oh la la, oh. C'est vraiment excellent. Mais on pourrait peut-être les faire plus gros. Mais oui, avec mon fameux sort de croissance de pâte. On ne l'appelle pas fameux pour rien, mon fameux sort. Oh, regardez qui est là. La grande déesse Ariane est revenue, mes sœurs. Quel beau travail, Darcy. Tu as complètement ruiné notre plan. Tout n'est pas encore perdu. Stella est encore reine. Alors, ne perdons pas un instant. Il faut réattaquer tout de suite. C'est le moment d'intervenir, pendant qu'elles sont occupées en cuisine. Écoutez, j'ai ce qu'il nous faut. La sauce est presque prête. Et voici la pâte, avec les petits légumes frais. Vous êtes vraiment fantastiques, les filles. Comment je vais faire pour vous remercier? Eh bien, tu pourrais peut-être commencer par nous donner un coup de main. Tu as raison, Bloom. Viens.
Tu ne sais pas qu'on ne doit pas courir dans une cuisine? Je suis désolée. Alors, pour faire une bonne base de pizza... Oh. Oui, je comprends. Quelle réussite! Tu es peut-être un tout petit peu trop surexcitée. Chut! Quoi? Oh, bonjour, entrez, je vous en prie. Que se passe-t-il ici? Continue, Stella, tu fais ça très bien. Qui a dit que les reines ne mettaient pas la main à la pâte? Oh, j'adore organiser des fêtes! Chérie, tu t'es occupée des limonades? Oui, la voilà! Laisse-moi t'aider! Waouh, comme l'endroit est bien décoré! Non, pas avant que tout le monde soit là! On te demande juste une petite minute, Brandon. Mais je t'ai déjà dit que je n'avais pas envie de voir Stella, alors... Oh. Alors, tu n'es pas content d'être venu? Bienvenue à tous! Je vous en prie, appréciez ce dîner comme un signe de gratitude et de reconnaissance de ma part envers vous tous. Voilà pour vous. À mon tour. Quelqu'un veut de la pizza? Ah oui, merci. Prends-en tant que c'est chaud. Stella. Un petit verre? Super, elle est encore chaude. Ce n'est peut-être pas un repas très romantique à deux, mais j'ai fait cette pizza pour toi de mes propres mains. Je dois t'avouer que je suis heureux de retrouver l'ancienne Stella. Si tu savais combien je suis désolée, Brandon. J'ai été tellement cruelle avec toi. Je me rends compte que tout être doit être considéré comme un roi. Et chacun mérite d'être traité ainsi. Ça y est, j'ai trouvé l'animateur parfait pour la fête de Stella. Un invité plutôt gourmand et vorace. Légendarium, entends-moi. Toi, Gargantua, goinfre géant, va te régaler à cette fête de fées et dévore tout ce que tu y trouveras. De bonnes pizzas tout juste sorties du four. Quel monstre a-t-il pu venir jusqu'ici? Garde! Protégez mes invités et mes parents! Quant à ce géant, laisse-le nous!
Pourquoi nos attaques n'ont-elles pas plus d'effet sur lui? On dirait que ça ne lui fait rien, qu'il est insensible aux attaques directes. Gargantua est une créature légendaire dont le seul but est de dévorer tout ce qu'il trouve. Je dois absolument l'empêcher de tout engloutir. Attends une minute, Stella. Il nous faut un plan. Notre si belle fête est complètement gâchée. Et je ne pourrai même pas servir mon gâteau géant. Mais oui, la voilà la solution. Les mini-fées, j'ai une idée. Au chocolat, à la myrtille, au caramel, à la fraise. Suis-moi, Glouton, et tu pourras avoir tous les gâteaux que tu veux. Par ici, il y en a des tonnes. Oh, surtout, ne craignez rien, les Wings s'en occupent. Joli travail, les mini-fées. On y est presque. Encore quelques-uns. Tenez-vous prêtes. Il arrive. Et voici un gâteau géant pour un appétit tout aussi géant. Est-ce que tout le monde se souvient du sort de croissance de pâtes de Kara? Jamais arrivé sans vous, les filles. J'espère tout de même que notre parfait repas n'a pas été gâché. La prochaine fois, on sera un peu plus vigilante sur la sécurité. Pour ma dernière déclaration en tant que reine, je voudrais présenter mes excuses à tout le monde. Je voudrais aussi remercier mes parents et Brandon, ainsi que mes amis pour leur soutien. Maman, papa, j'ai réalisé que le métier de reine était un travail sérieux qui demandait beaucoup de patience, d'humilité et énormément d'amour. Merci de m'avoir donné ma chance. Oh, merci à vous, habitants de Solaria. Oh. Allez, les amis, venez avec moi. Je suis désolée que ton rendez-vous avec Brandon ait été gâché. Ce n'est pas ta faute si le gros goinfre de service a saboté notre fête. Ouais. Oh. Stella, j'ai une petite idée. Hein? Alors, est-ce que Bloom t'a dit ce qu'elle avait derrière la tête? Je sais que les Wings et elle préparent quelque chose, mais je ne sais pas quoi. Elles n'ont pas voulu me le dire. L'invitation nous demandait de venir ici. Bienvenue à vous. Oh, Bloom, c'est vraiment merveilleux. Messieurs, dames, si vous voulez bien me suivre. Alors, j'ai répertorié les meilleures pizzas de Bloom en fonction de leur goût, de leur texture et des ingrédients. Et j'en suis arrivée à 156 combinaisons possibles. Oh. Oh. Hein? Nous prendrons simplement la spécialité du chef. Merci, Tecna. Joyeux anniversaire, Brandon. Joyeux anniversaire. Vous savez, malgré tout ce qui s'est passé, je dois quand même vous avouer que moi, je meurs de faim. Oh, moi aussi. Et moi donc? Moi aussi.